Alors, toujours sur la découverte de Tailwind CSS parce que c'est juste, on va dire, c'est juste une petite formation histoire de pour que vous puissiez prendre connaissance de Tailwind CSS et vous puissiez comprendre que c'est juste un assemblage de classes qu'on doit mettre en place pour avoir le résultat que nous souhaitons avoir. Donc, cette fois, dans la vidéo précédente, on avait traité ici les formulaires, on avait ensemble appris comment créer un formulaire avec Tailwind CSS. Ce qu'on va vouloir faire ici, en le comparant toujours à Bootstrap, c'est qu'on va vouloir créer ici une carte. Parce que là, avec Bootstrap, lorsqu'on voulait créer ici une carte, on avait juste à créer un élément avec une classe carte. Donc, je vais chercher ici un modèle de carte de Bootstrap. Je prendrai ce modèle de carte là et je vais aller le coller sur la partie index Bootstrap. Et je vais juste supprimer la section formulaire de Bootstrap et remplacer par la carte. Ensuite, je vais retourner là. Et cette fois-ci, on rafraîchit, on voit que du côté de Bootstrap, on avait directement ici un modèle de cadre, juste en passant ici la classe cadre, et ici on passait ici la classe cadre body. Et ici, si je peux mettre, je vais plutôt mettre ici une image, et ici, je vais mettre Bootstrap. Juste simplement Bootstrap et aller shipper une image de Bootstrap sur Google. Donc là, je vais faire copier l'adresse de l'image. Et ici, au niveau de ce src, je vais remplacer l'adresse que j'ai shippée. Et merde. Et là, c'est plus grand. Et là, on va juste enregistrer ça. Et là, on aura ici notre cadre qui apparaîtra du côté de Bootstrap. Ça sera mignon, juste avec une classe. Et blablabla. D'accord. Maintenant, du côté de CSS, si on veut réaliser, et du côté des Tailwind CSS, si on veut réaliser une carte, comment est-ce que ça sera? Donc, vous avez déjà compris le principe. On va créer ici un assemblage, un ensemble de cadres, de classes pour pouvoir réaliser ça. Donc là, je vais commenter ici mon formulaire. Et du côté de Tailwind CSS, si je rafraîchis, maintenant, je vois que là, je n'aurai plus rien. Est-ce que je vais avoir, c'est une carte de ce genre? Donc, on remarque d'abord, on va d'abord analyser la carte. On remarque tout d'abord que pour cette carte, ici, on a un élément avec un border qui a été défini. Ok, donc on va aller du côté des Tailwind CSS et ici créer une nouvelle classe, une nouvelle propriété. Là, ici, on va mettre div et juste là, on va mettre un lorem en attendant d'avoir le contenu. Et là, on aura ici notre lorem qui va apparaître. Et là, on remarque que pour la carte, on a un background avec des bords arrondis. Donc c'est parti, ici on va venir s'attaquer d'abord aux bords arrondis. Donc ici pour les bords arrondis, on va juste venir ici faire un rounded de SM. Donc pour dire qu'on aura ici un rounded de SM. Et ensuite on remarque qu'on a un bord qui est un peu défini. Donc ici pour le bord, on peut juste venir ici faire un bord de, on va dire, gray. Et ici on peut prendre un bord de gray de 50. Et ça ne marche pas. Essayons. On définit ici la couleur de la bordure, c'est vrai, mais on doit définir la taille de la bordure. Donc ici, on peut mettre un border de 1. Et si ici, on met un border de 3. Et là, si on met un border de 2, on remarque que le border apparaît. Et ici, on a notre bordure qui est un peu plutôt. Pas trop ça, mais on va y revenir plus tard. Et on remarque que là, notre bordure doit avoir des bords arrondis. Et pour les bords arrondis, je pensais que là c'est un rounded, il manquait ici le n. Et si j'enregistre ça, je remarque que j'ai un petit bord arrondi. Mais plutôt que d'avoir ça, je vais d'abord ici, comme je l'ai dit, la lecture du côté Tailwind CSS s'est fait de la gauche vers la droite. Donc si j'avais défini la bord l'arrondi avant de définir le bord, donc il fallait d'abord définir le bord, définir la couleur du bord et ensuite maintenant définir la taille de l'arrondi. Donc ici pour l'arrondi, je vais juste mettre ici un rounded de MD. Et ici lorsque je mets ici un rounded de MD, je marque que mon arrondi apparaît bien. Mais je vois que le texte est collé au bord ici de mon conteneur. Donc il va falloir ici lui définir un padding pour pouvoir le séparer. Donc ici je vais mettre ici un P de 3 pour avoir mon padding interne. Et là, on voit que ma carte commence à prendre forme. Et ensuite, le prochain élément de la carte, c'est qu'on remarque ici que la carte a une image, un titre et puis une description et un bouton. Donc ici, on va venir s'attaquer maintenant à l'image. Donc là, on va juste supprimer le faux lorem qu'on avait mis pour ça. Ou plutôt, on va le laisser pour le moment. Et si on va venir créer une nouvelle div.
Et à l'intérieur de cette guille, on va venir créer une valise IMG qu'on va laisser à vide pour le moment. Et là, je vais me rendre sur Google et rechercher une image que je peux utiliser pour Tailwind CSS. Donc, je vais prendre la première image, copier l'adresse de l'image. Et ici, pour le SRC de l'image, je vais être. Et merde, ça prend toujours autant de place. Je vais juste définir ça. Et ici, cette div, je vais la fermer. Cette div qui contient toute l'image, je vais la fermer. Et cette fois-ci, en rafraîchissant, on remarque que là, on a notre image qui apparaît. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir styliser ici notre image. Donc ici, pour l'image, je vais ici lui mettre ici une classe. Et ici, je vais dire que pour la classe de l'image, je vais lui définir une taille. Je vais mettre ici un double de 36 et une hauteur aussi de 36. Et si j'enregistre ça, je vois que là, j'aurai rien. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un border de 2. Et ici, je vais dire que ce que je vais avoir, c'est un border de red de, on va dire, 800. Et ça sera juste ici pour l'exemple. Donc ici, pour mon image, on remarque que l'image est bel et bien réduite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir l'image totalement arrondie et je vais appeler la classe Rounded Full. Et là, juste en appelant ici la classe Rounded Full, j'ai un arrondi de mon image. Et ici, je peux dire que je pouvais avoir un padding interne pour mon image. Donc, si je mets un P1, on aura un padding interne de 1 et P de 3 pour avoir ça. Et ce que je veux faire, c'est que je veux que au niveau de ma cadre, juste à l'intérieur de ma cadre, mon image soit au centre. Donc, ici, pour mettre une image au centre, si vous vous rappelez, avec CSS, on avait une propriété. Donc, si avec CSS, on utilisait du CSS, on aurait fait ici un style de margin auto et qu'on aurait enregistré ici, l'image serait directement partie au centre. Donc, ici, pour faire cet équivalent du margin auto, avec Tailwind CSS, on met ici un M et ici, on définit la direction. Là, la direction, c'est celui-là, c'est sur l'axe X. Je vais d'abord retirer ça pour que vous puissiez voir que ça fonctionne. L'image est revenue. Et ici, on met un M. Et ici, on met la direction. La direction, il y a l'axe X et l'axe Y. Donc là, c'est de cette direction. Donc, c'est X. Et si je mets ici la propriété MX auto. Donc, il mettra ici un margin auto sur l'axe X. Donc ici, si j'enregistre ça, on verra que l'image ira directement au centre de notre cadre. Et encore, la prochaine chose que je peux faire, c'est que je peux lui dire que pour juste après mon image, je veux que tu puisses mettre ici une marge du bas et si je peux mettre ici un MB de 5, histoire de séparer mon image avec le contenu. Et si la couleur de la bordure, là j'ai mis un border red de 800, ça ne me plaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt lui mettre ici un shadow et le shadow, je vais lui mettre ici un medium, histoire d'avoir ici la taille, histoire d'avoir l'arrondi avec un effet de shadow. Et là, si je mets un LG, on aura ça. Et je trouve que c'est un peu plus cool que l'autre. Et là, ensuite, ce qu'on va taguer maintenant, c'est l'élément card titre, le titre de la carte. Et c'est pourquoi est-ce que j'ai enveloppé cette image dans une div, c'est parce que l'image pouvait avoir, la source pouvait être très longue. Donc là, quand je l'enveloppe dans une div, je peux directement la réduire ici. Et du côté de Bootstrap, on voit que là, maintenant, on a un card title. Donc c'est ce titre-là qu'on va vouloir mettre au niveau de notre card. Donc là, on va venir ici, juste en bas, et ici, on va créer ici une nouvelle propriété div. Et ici, on va définir ici des classes. Et ici, ça sera, on va mettre comme Bootstrap card title. Et ici, on a un certain ensemble de classes, on va analyser ce qu'on a. Et toujours, il faut analyser le résultat, trouver ce qui correspond au résultat avant d'aller chercher son équivalent avec Tailwind CSS. Donc ici, on a un card title. On remarque que la card title, c'est un texte en noir et qui est un peu gras, qui est plutôt gras, on va dire. Donc ici, on va venir faire ici. Et ici, on va dire que pour mettre le texte en gras, on va se rendre sur la documentation et chercher ensemble comment est-ce qu'on peut mettre ici un test en gras. Et là, on va venir dans la partie recherche et on va chercher font weight. Et là, on va dérouler font weight et là, on voit qu'on a plusieurs propriétés. Donc, on a font light et on a son équivalent CSS. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le font bold. Donc, ici, on va prendre ici la classe font bold. Donc, ici, pour notre classe title, on va venir lui donner ici la classe font bold. Et si on enregistre ça, on remarque que notre card title est directement devenu du gras.
Mais si on le compare à celui de Tailwind CS de Bootstrap, on remarque que celui-là est nettement plus grand et la couleur est nettement plus légère. Donc pour la couleur, je vous laisse gérer. Vous avez juste à appeler ici un color. Donc je vais faire un exemple si je veux avoir la couleur. Pour changer la couleur ici, on peut juste appeler ici la couleur du texte. On peut ici appeler la classe texte suivie de la couleur en question. Par exemple, on va dire que gray pour la couleur grise. Si on va vouloir appeler test gray 600 pour avoir la couleur avec un léger accent de gray. Donc vous pourrez parcourir la documentation et trouver la couleur que vous souhaitez utiliser ici pour le card title. Dans mon cas, ça sera restera ainsi. Ensuite, on remarque ici que la card title a une font size un peu plus élevée comparée aux autres. Donc comment est-ce qu'on fait pour définir une font size avec Tailwind CSS? On peut dire encore retenir ici et venir rechercher cette fois font size. Et là, on remarque que lorsqu'on cherche font size, on a plusieurs classes qui apparaissent. On a texte SM pour dire que ça sera une font size de 14 pixels et avec un light et ainsi. Et nous, on cherche quelque chose de plus grand. Donc ici, on peut prendre ici un texte base pour dire que c'est un font size de 16 pixels. Donc on va venir essayer ici le texte base. Donc ici pour la taille, on va juste essayer texte. On va lui appliquer la classe texte base. Et cette fois-ci, on rafraîchit. On remarque qu'on n'aura rien, pas vraiment de changement. Et si on essaie le texte LG, voir ce que ça donne, la classe texte LG. Et on enregistre cette fois, on remarque que là, on a notre titre qui est nettement devenu un peu plus grand. Donc là, vous pouvez pour vous promener ici, jouer avec les différentes classes qui sont présentes ici. Ensuite, du côté de Bootstrap, on a ici une petite description. Donc ici, pour la description, on va juste mettre tout ce faux lorem ici dans un paragraphe. Et à ce paragraphe, on lui donnera une classe plutôt simple. Et ici, ça sera un texte MD, histoire d'avoir la taille du texte en plus petit. Ici, on va plutôt la mettre ici en texte SM pour dire le texte en petit. Et ici, on voit qu'on a une dernière propriété qui est le bouton. Et maintenant, vous savez mettre en place un bouton, donc on va pas trop perdre de temps dessus. Je vais juste venir shipper le bouton que j'ai créé ici pour mon formulaire. Et là, je le mettrai juste après le paragraphe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui mettre ici un margin top de 4, histoire de le séparer. Et voilà, vous avez appris comment est-ce que vous pouvez créer ici une carte rapidement ici avec Tailwind CSS. Cependant, on remarque que la carte est totalement grande. Et là, je vous ai déjà appris comment est-ce que vous pouvez définir la taille pour une carte. Et ici, je vais retenir ici au niveau de ma carte, la div principale qui englobe toute ma carte, c'est-à-dire celle-là. Je vais dire que je vais avoir ici un width de 36. Et si je fais ça, ma carte perd en taille et elle sera totalement petite. Donc ici, on peut rechercher une taille appropriée pour notre carte. Donc là où vous avez juste à jouer avec les différentes tailles. Et si vous ne savez pas quelle taille choisir, vous avez juste à retourner sur la documentation et rechercher width. Et là, vous allez trouver les différentes tailles qui existent. Donc là, je vais show all class. Et là, vous pouvez prendre width 36, width 48 et width 64, 72. Donc là, vous pouvez prendre 60 ou 64 ou 72. Donc là, je vais essayer width 60 et voir ce que ça donne. Et cette fois, je vais revenir ici en plein écran. Et on voit que là, on a notre carte qui apparaît et elle est, on va dire, presque identique à celle de Bootstrap.